Alors, j'en fais ça pour que ce soit un peu plus homogène, hein. Sinon, peut pas passer. Il faut d'abord que je fasse une. Mais en fait, si je pouvais faire une pelle depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bon, on a notre pelle. Non, mais c'est bon, quel débile. Je viens de dire que je voulais pas passer. Oh, j'ai failli refaire la bêtise. Ok, donc, est-ce que j'ai des... Oui, j'ai encore des torches, parfait. Oula, ce soit pareil partout, sinon c'est pas bien. Voilà, on a notre sous-sol. D'ailleurs, on a aussi les coffres à placer. Comme ça, pose tout ce dont on n'a pas besoin pour l'instant. Ça, on a besoin de tout ça. Aussi, oh, ça garde. Pas besoin. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. C'est parti pour aller repartir chercher du bois. D'abord, je vais raser l'étage pour qu'on voit au moins le début de la maison, quoi. Parce que sinon, son épisode risque de prendre du temps. Petite heure d'épisode, ça serait compliqué. Ah, mais j'ai toujours peur que quelque chose vienne. C'est juste la neige qui casse. Si, mon bloc était là. Je récupérais des bâtons. Ah, mais ça me stresse. Ça sert à rien d'être stressé. Hop. Ensuite. Voilà, je pense que ça va être l'épisode le plus chiant. Le mieux ce serait que vous skippiez. Ou soit je m'occupe de les enlever. Il y a des gens qui aiment bien les moments de construction. Et d'autres préfèrent les moments où on se bat. Il y aura de tout. Il y aura de tout. Là pour l'instant c'est le moment de construction. D'ailleurs si vous avez des idées d'accessoires à mettre à l'intérieur de la maison ou d'étage, je serais ravi d'avoir des commentaires portant sur la maison. Je pourrais même mettre des panneaux avec le pseudonyme des personnes qui m'ont donné les commentaires, qui m'ont fait raison de créer une salle. Par exemple, vous m'aidez à créer la salle pour dormir. Avec le lit, tout ça, quoi, la chambre. Et ben votre nom sera écrit sur un panneau devant la chambre. Du coup, je saurais que cette personne-là m'a aidé pour la construction de la maison. Oh! Pour l'instant, on a du poulet, c'est qu'on est content. Avec le poulet, on fait pas de gâteau.
Oh, c'est bon, on a déjà 64 bûches. Oh là là. Je peux même pas faire attention. Je finis les arbres, je retourne. 64 bûches, c'est beaucoup quand même. On n'a pas besoin de l'autant, si. Peut-être qu'on va pouvoir finir la maison aujourd'hui. Ce serait ouf. Il a fini une maison, peut-être deux étages, hein. Peut-être pas trois, mais quand même, quoi, déjà. Ce serait ouf. Une chauve-souris, oui, des oiseaux. Il y aura une chauve-souris parce que. Ah! D'ailleurs, il y a un zombie qui brûle. Il est pas. Il est où? Il est là? Oh, là-bas. Oh là, la chauve-souris, elle est là. D'accord. Bon, bah. J'ai peut-être voulu récupérer de la chair pétrifiée. Hein. Ça sert à rien. Mais... Ça peut toujours servir. Mais attendez, mais je suis un débile en fait. Est-ce que j'ai pris les yeux? Dites-moi que j'ai pris les yeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que les yeux d'araignée, bah, je les ai pas pris. Les yeux d'araignée, ça sert à faire des potions. Parce qu'en fait, les fioles, tu mets de l'eau dans un chaudron. Tu prends les fioles vides. Tu les remplis avec l'eau qui sont dans ce chaudron. Et après, ça te fait un petit mixage. Ce mixage, donc une fiole, ben ça fait une fiole de l'eau, quoi. Et ensuite, tu peux mettre cette fiole sur un alambic, ce qui sert à faire des potions. Et tu fais des. Tu mets un œil d'araignée. Ça te fait des potions étranges. Non, je crois que c'est une verrue du nether. Ah, c'est une verrue du nether, je suis content. Non, les yeux d'araignée, ça fait des effets. Les potions. Ça fait l'effet poison, tu vois. Ok. Bon, déjà, c'est assez cosy, là. Ça ressemble à quelque chose. Hein, c'est pas moche. Pas moche, quand même. C'est pas moche. Ah, la bouffe n'est pas... Voilà. Donc, reposer un peu de bloc, hein, parce que là... Là, on va faire un peu le côté esthétique, hein. Par exemple. Non, reviens. Là, on peut mettre une petite vitre. Du verre. C'est du verre ou une vitre? Du verre. Parce qu'une vitre, c'est un peu moins beau. Après, dans les étages au-dessus, peut-être qu'on pourra faire des trucs genre... carrément dans le vent quoi de... peut-être pas en fait parce que les vitres on peut pas bien voir à travers, c'est un peu différent quand on voit à travers. On devrait faire des vitres uniformes, enfin genre on peut pas voir, on peut voir à travers genre, sans truc moche. Mais attention, les radins, on récupère tout le bois. Surtout qu'on en a pas assez. Casse-moi, s'il te plaît. Casse-moi, s'il te plaît. Ah. Ok. Donc là, il va falloir faire un four. D'accord, j'ai pas pris mon truc sur moi. Un four, le fumoir, il y en avait là-bas, on va pouvoir récupérer. Les fours. Voilà. Là, ça va être l'endroit pour les coffres. Le petit fourneau. Ou dans le petit fourneau, on met. On n'a pas de sable. D'accord. D'ailleurs, c'est vrai. Non, mon fumoir, je l'avais posé là-bas, je me rappelle. Il dit que je partirai et que je reviendrai. Je le prouve serait prête. Où est-ce que c'était? Non, ça c'était. Je ne sais même plus où j'ai posé mon fumoir. Quel idiot. Quoi? J'ai entendu un bruit bizarre là. Ah, ça doit être là. Pas du tout. Alors, ça devait être ici. Non plus. Là-bas. Oh, il n'y en a pas.
C'est quoi cette maison? Ça a l'air d'être la meilleure maison au monde. Bonjour monsieur, vous êtes un bibliothécaire. Oh! Ah d'accord, c'est vous avez fait une réduction carrément. Oh, loyauté 2, trop bien ça. Attendez, combien? 11? Ah non, c'est pas des réductions, c'est des augmentations. Merci. Alors à quoi sert un pupitre? Je le saurais toujours pas. Boucher, qu'un boucher dans une librairie, pourquoi pas hein, après tout. Non, lui il a besoin de viande de lapin. Cru. Faut quand même qu'on retrouve notre fumeur là, parce que c'est inquiétant quoi. Fumeur qui disparaît. D'accord, c'est pas là. Je sais même plus où je l'ai mis, je suis vraiment qu'un teubé. Oh là là, mais quel idiot. Peut-être qu'il est là. Hein. Faut espérer. Ouais, non, il y avait un chat enfermé. Ça devait être. Ouais, c'était un endroit. Ça doit être... Ouais, je crois que c'était là. Ici, là. Non, ici, c'est vrai, j'avais dit non. Là, peut-être. Plus. Oh, mais quel idiot, mais quel idiot, mais quel idiot. Ah, ça, c'est de l'autre côté. Quel idiot. Je suis profondément débile. Oh non, c'est bon, je suis là. Oh oui. Qu'est-ce que je me suis imaginé? J'imaginais que je pouvais voir le truc à travers. Peut pas casser comme ça. Très bien, il va falloir que je cherche ma pioche et reperdre l'endroit où j'avais mis mon fumoir. Parfait. Non, reste là, j'ai absolument pas envie que les creepers viennent me défoncer ma base. Je viens à peine de la construire, s'il te plaît. Ah, ok, alors, de quoi avons-nous besoin pour l'instant? Pas de viande. Si, de ça. Et un poulet. De toute façon, c'est toujours ce qu'il faut avoir, le poulet. Un bon poulet populaire rôti là. Est-ce qu'ils savent toujours pas comment faire un gâteau? Enfin, moi je sais toujours pas comment faire un gâteau. Eh bien non, je ne sais toujours pas faire comment faire un gâteau. Oh, peut-être qu'on fait. Mais c'est bon, j'ai déjà du sucre. Il faut que j'apprenne à faire un gâteau. Il le faut. Donc, pour se dire gâteau, j'ai envie vraiment de cliquer sur le sucre pour essayer de faire un gâteau. Ouais, je sais pas ce que je voulais faire cuire, parce que j'ai rien d'autre à faire cuire. C'est parti, hein, cette nuit, ça va être la nuit où on aura le plus travaillé. Hein. Du coup, on pourra voir les monstres. Parfait, on pourra déjà savoir où ils seront le matin. Donc ça fait 1, 2. Et là, ça fait 3. Ah, bonjour le zombie. Oui, je sais, t'as faim et moi aussi j'ai faim. Moi j'ai de la bouffe. J'ai trop pour que t'exploses. T'exploses pas, hein. Oh, y a des bébés zombies même. Il dit pas que les zombies sont intelligents, ils vont s'exploser tout seuls. Quoi? Attends. Non, si c'est un zombie qui vient de rentrer, j'ai le seum. Très bien, ce n'est pas un zombie qui vient de rentrer. Et j'ai un creeper juste derrière le mur, donc je vais faire attention. Ils ne savent pas que je suis ici. C'est faux. Je ne suis pas là. Arrêtez. Stop. Laissez-moi tranquille. Ah, mais. C'est reparti pour du cassage à la main. Quel idiot. J'ai failli quand même dire, ouais, comme ça, on fait comme ça, regardez, comme ça. Ah, c'est bon. Ah, ce sera juste 3 étages. Hein. Déjà une maison à 3 étages, c'est bien. Peut-être qu'après on pourra faire une tour au milieu.
Alors là. Tac. Là, ça fait 3. Donc c'est 4. C'est ici. Parfait. Ah mais... Mais vas-y. Ça va être n'importe quoi. Oula. Casse ça aussi. Non mais... Voilà. Là, c'est le moment où on referme tout. Parfait. Le dernier. J'en ai marre. Non mais voilà. Moi je tombe. Très bien. Bah, avant que des monstres spawn, on va récupérer des torches. Je les avais perdus, je sais même plus où ils étaient. Et c'est la fatigue, le coronavirus, tout ça, fatigue. Hop, là, il va falloir qu'on mette des barrières. Va être une belle maison. C'est moi qui vous le dis. Et là, par contre, on va mettre des fenêtres partout. Parce qu'il faut. J'ai plus qu'un verre. Ah, c'est vrai, j'ai dit que j'allais chercher du sable. Qui t'a autorisé en fait? D'accord, donc le mec dort chez moi. Non, mais je vois le genre. Il fait pas comme il veut. Parce que moi, je suis pas content, quoi. Porte... Je sais faire des portes en acacia, des portes en chêne, des portes. Je peux tout faire là. Non, c'est pas possible, je peux pas faire. Eh oh, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me faire stresser. Alors, du coup, qu'est-ce que je cherchais déjà? Ah, ok, c'est vrai. Des barrières. Donc là, il y a les panneaux, pancartes. Pancartes, ça, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait des pancartes. Déjà, on va apprendre à faire un bâton. Ça, on va pouvoir apprendre à faire. Attends, on a le portillon, mais on n'a pas le. Non, attends, comment faire le portillon? Comme ça, donc ça veut dire que. Attends, mais what? Attends, je comprends pas très bien là. Donc, on a le portillon, mais on n'a pas le truc qui fait le contour. Non, mais c'est parfait ça. Pourquoi pas? Ça, c'est pour faire le portillon. Moi, je veux pas faire de portillon. Je veux faire. Pas faire portillon. Pas. Ça, c'est des trappes. Ça, c'est des dalles. Des échelles. Je suis paumé, c'est un truc de dingue. Ah, enfin des barrières. Oh, j'ai galéré. Ah, oh, des barrières en sapin. On va attendre, sapin. Voilà, continuer à alimenter tout ça. Ben voilà le jour. Le jour s'est levé. Eh ben vas-y, fais rin-rin. Mais en plus, il habite mieux, vas-y.
je le revends encore. Il fait encore un 1. Il fait encore un 1. J'avais prévenu. Merci de respecter les règles quand on rentre chez quelqu'un. Bah, c'est reparti pour refaire des. Ok, lui, non, il va pas faire m'énerver quand même. Ce serait bête de sa part. Non, bah non. Non, t'es pas embêté, ça risquerait de vous coûter la vie, quoi. Ce serait dommage. Enfin, pour vous, après, moi, je m'en fous, mais. Ce serait quand même dommage, hein. Que vous mourriez pour ça. Alors. Eh ben, j'ai dit que je ne ferai pas cette vidéo tant que je n'aurai pas tout fait. Ce qui était très long. Enfin, tout fait, genre en extérieur, hein, ce qui se voit. Intérieur, on s'en fout un peu. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a un sable. Il y a un sable. Il y a deux sables. Il y a trois sables. Plein de sable. Comme c'est de la glace, je n'ai pas besoin. Mais la glace, ça fait de l'eau. Avec toucher de soi, on peut récupérer totalement la glace. Sans que ça devienne de l'eau. Ah non, il y avait quand même de l'eau en fait. Voilà. Alors, la maison déjà, elle est où? Non, mais en plus, c'est le bâtiment le plus haut de la ville, sauf à part lui. Je peux pas le louper. Impossible, je l'ai mis. Non, mais comment j'ai fait pour cacher une maison qui fait deux étages? Mais d'accord, mais derrière. En plus, ça ressemble tous les maisons. J'aurais dû faire ça vers le bas, j'aurais dû faire ça vers le haut. Oh, c'est moche, on dirait un building dégueulasse. Ah, bon là, je vais skip ce moment. Je vous retrouve tout de suite après la fonte de tous ces bouts de sable, parce que ça va être long. Re, donc là on a déjà assez de verre pour je pense pour faire pour tout pour faire le contour quoi. Hein. Donc bah oh punaise mais quel débile. Donc on va déjà essayer de faire le peu de contour qu'on peut avec la hache ce qui va se casser à ce bloc-là. Voilà. On va repartir pour en refaire une. Ouais, je sais, j'aurais dû aussi skip ce moment, mais bon, c'est obligatoire. Hein. J'aime de la faire en pierre, ça va juste être plus long. Et ça va s'user plus vite, mais ça c'est pas important. Récupère tout ça. Oh non, mais là. Un plat d'orge, on la remet. Peut-être que je peux faire un truc stylé sur ce bout de maison. Tiens, je vais sûrement faire le truc auquel je pense. Parce que c'est vrai que ça va être grave stylé si je le fais. Genre, le truc c'est genre en mode je fais, j'enlève tout ça là. Carrément, ouais, carrément, je suis un ouf. Oh non, on va peut-être pas. Peut-être qu'il faut juste garder le contour. Déjà enlever ça. Garder un minimum le contour, mais enlever ça quoi.
mode comme ça, genre, un petit truc vite fait. Pas ouf ouf, mais bien quand même. Peut-être que la tour, je la ferai en pierre. Ouais, tour en pierre, c'est stylé, tour en pierre. Non mais... mode c'est une baie vitrée trop stylé dans ma tête c'est stylé mais peut-être que ça va être moche en fait par exemple ce côté là risque d'être pas hyper hyper beau ouais après je vais récupérer le reste de sable qui est cuit pour faire du verre. Pour du coup finir d'accord je vais peut-être pas tout finir aujourd'hui peut-être que on fera ça on fera le reste une prochaine fois peut-être peut-être pas d'accord je n'aurai pas assez pour faire tout. Voilà. On va dormir, on se réveille. On se réveillera et ce sera la fin de la vidéo. Attends, bouge, bouge. Je t'autorise pas à rentrer, bouge. Dégage. Bouge. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ah, si c'est un PNJ, donc c'est normal. Non mais... Ok, toi tu vends quoi? Tu vends quoi? Tu vends quoi? Explique-moi, tu vends quoi? T'es le boucher de la viande de lapin? Non, t'es pas assez important. T'es juste un boucher, hein. C'est un grand village. On pourra rapidement te remplacer. Bon bah voilà, hein. C'est une très jolie maison. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Comme ça là, ouais, comme ça là, ça fait la petite miniature. Comme ça. Villageois, bah attendez, je vais tuer le villageois et on fera une miniature et je ferai la miniature. Tiens, il y en a deux comme toi. Et voilà. Donc c'est sur la fin de cette maison, enfin le milieu de cette maison, on va dire, qu'on se quitte. Surtout en période de coronavirus, pensez bien à vous laver les mains tout le temps. Hein, je le dis ça en fin de vidéo, mais c'est quand même important, faut faire attention. Considérez-vous quand même que vous êtes malade, hein, même si vous ne l'êtes pas, même si vous n'avez pas les symptômes, dites-vous que vous êtes porteur sain, c'est-à-dire des porteurs qui, enfin, des gens qui ont la maladie, mais qui ne sont pas, comment dire, on ne le voit pas, qui sont malades. Donc, genre, ils n'ont pas les symptômes de tout ça, ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont rien, mais ils sont malades. Faites attention à ça. Déjà, je sortais, mais genre pour faire des trucs vraiment utiles, je sais pas moi, faire des trucs inutiles. Comme, je sais pas, je vois pas de trucs inutiles. Par contre, faites bien vos courses. Évitez d'approcher vos grands-parents. Sortez vos chiens si vous en avez, parce que les pauvres à l'intérieur, ils sont. C'est problématique, quoi. Et à Paris, c'est. Ceux qui sont pareils, en tout cas sortez vos chiens. Après ceux qui sont en campagne, ils sont plus tranquilles, mais voilà, pensez à sortir vos chiens et tout ça. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Salut.